Matinée dominicale, le safety car va rentrer dans la voie des stands et donc le peloton va être relâché avec Thorsten Kratz qui est le pilote qui va signer donc bien le rythme. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là 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 ! Gros carton pour Jérôme de Sadler. Énorme crash pour le pilote MV2S Foresti Racing. Safety car. Alors là ça a été chaud, vraiment très très chaud. Alors ce qui s'est passé, c'est que le leader justement, Thorsten Kratz, je le disais, à la ligne de départ. Voilà, wow. Là il avait relancé et là il refreine. Et là on veut bien qu'il n'y ait pas de dépassement avant la ligne, mais le leader il ne doit pas freiner, enfin, c'est pas possible, là c'est incompréhensible. Et derrière, heureusement, il n'y a pas eu de suraccident. Alors Jérôme de Sadler, je ne sais même pas s'il va être déclaré apte à rouler tout à l'heure, hein. Il est censé rouler avec l'équipe Euro Internationale. Ouf, ça tape très très fort. Et encore, enfin, dans son malheur, il touche le rail et pas le mur. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc.